vie est très difficile, Bayek. En ton absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa ? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Séni. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Tout ce que vous possédez, vos fermes, vos biens, vos enfants, vos vies elles-mêmes, vous les devez à Ptolémée, le bienfaiteur, roi des deux terres. Allez, loué soit Amon-Ri. Bayek est revenu à l'oasis. Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medunamun, prêtre du pharaon. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Rabia ! Ma Rabia ! J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein ? Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus, des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez, allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soignés ? Ou menti à vos parents ? Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. L'un des mannequins est plus solide que l'autre.
Madame Zefa! Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats viennent te chercher! Allez! Viens! Vite! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Zefa! Nous venons seulement discuter! Le nomarque a été tué! Ton ami le Medjay est sans doute coupable! Sors de là! Si tu veux tenter de le disculper! Tendez une embuscade! Nek! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison! Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention! Quoi? Qui est là? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Hey! Maintenant, autour des autres. On va voir ce que tu vaux vraiment. Personne ne nous aura. C'était le dernier. Merci, Bayek. Je t'avais dit que ces Neket Yadet se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay, Asiwa. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins, une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et Senu pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. Senu. Senu est en vie. Regarde qui voilà. Senu, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier.
Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris.